Le constat est clair, tout est fait prêt pour que la fête se déroule dans les conditions idéales. C'est au bord du fleuve Ouémé, sur le site Goukon, dans la cité des Agégé, qu'aura lieu la 10e édition de la fête de Ouémé-Hué. Du 27 au 31 mars, la culture de la vallée de l'Ouémé sera au cœur de toutes les célébrités. Nos hôtes, nos invités, tous, nous les invitons à faire la découverte des Agégé. Les Agégé, c'est un village lacustre, un village touristique, un village riche en culture. Je les invite qu'ils viennent manger du poisson frais sorti de l'eau et la fête commence déjà. Pour offrir une célébration de prestige aux filles et fils de la vallée et des invités, la coordination générale a associé les cadres du ministère du Transport pour l'aménagement du site. Aussi, a-t-elle impliqué dans l'organisation le conseil communal et les têtes couronnées pour une célébration de facture? Merci. Les autorités de ce pays, le ministère des TP, la direction départementale des TP, qui nous ont accompagnés pour la route. Donc, c'est un point positif. Nous avons déjà les voies d'accès. 5 jours durant, Ouémé-Hué, fête identitaire, rassemblera les filles et fils de la vallée et des invités à la découverte de la culture de la cité des Agégé et de la vallée. C'est une fête que les Ouémé nous adorent. C'est une fête que tout le monde adule. Au-delà de Ouémé, c'est une fête que les Béninois, tous les Béninois adorent au-delà des frontières. Donc je suis content. La fête aura bel et bien lieu à Goukon, aux Agégé. C'est la fête des gens des Agégé. Au-delà des festivités populaires, des œufs sociaux communautaires marqueront la 10e édition de Ouémé-Hué aux Agégé.